الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل يوم القيامة أين المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Toutes les louanges à Allah subhanahu wa ta'ala, le très clément, le très miséricordieux. Mes chers frères, mes mères et sœurs, remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a donné iman, qui nous a donné la foi et nous permet de vivre encore une fois cette année les moments bénis de ce mois de Ramadan. Un mois de Ramadan dont nous sommes déjà à la veille de la deuxième décade. Mes frères, mes mères et sœurs, il faut bien comprendre que nous avons ce devoir de reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala. En effet, chacun de nous, il se doit de réaliser et de prendre conscience au plus profond de son cœur que le mois béni de Ramadan constitue un bienfait considérable, une opportunité extraordinaire pour progresser spirituellement, pour se rapprocher de notre Créateur et renforcer sa relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Une relation, un lien qui se doit d'être fort et solide. En fait, le but ultime de notre progression vers notre Créateur, vers Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de l'aimer. De l'aimer de tout notre cœur, comme Allah subhanahu wa ta'ala lui-même dans le Coran, il nous dit « وَالَّذِينَ آمَنُوا » Et ceux qui ont cru « أَشَدُّ حُبَّا لِلَّهِ » sont plus forts dans leur amour pour Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à plusieurs reprises, il nous a montré que le fait d'aimer Allah, c'est l'une des conditions de l'authenticité de la foi. Et il a dit ainsi « لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما » Aucun de vous n'est vraiment croyant jusqu'à ce qu'il aime Allah et son messager, sallallahu alayhi wa sallam, plus que quiconque. Aussi, le signe distinctif qui permet de dire qu'on est véritablement l'objet de cet amour pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est que lorsqu'on va respecter les ordres d'Allah et les ordres du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais aussi abandonner ce qui a été interdit par le Coran et la Sunna. C'est la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran « قُلْ أَطِيعُ اللَّهَ وَأَطِيعُ الرَّسُولُ » dit « Obéissez à Allah et au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. » Et dans le verset juste avant, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهِ » dit « Ô Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, si vous aimez Allah, suivez-moi, suivez le messager d'Allah. « يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ » Allah vous aimera et vous pardonnera vos péchés. C'est pourquoi, mes chers frères et mes chères mères et sœurs, chacun de nous, il doit chercher avec envie, avec enthousiasme, à travers les moyens qui nous sont offerts
pendant ce mois de Ramadan, eh bien justement à manifester notre amour envers Allah subhanahu wa ta'ala, notre Créateur, et obtenir son agrément. Ainsi, durant ce mois, eh bien, nous manifestons notre amour envers Allah subhanahu wa ta'ala en premier lieu dans la soumission à la prescription du saum, du jeûne, qui est, comme vous le savez, la pratique phare de ce mois de Ramadan, qui est un des éléments fondamentaux de notre din et qui est, comme l'a comparé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'un des cinq piliers sur lesquels repose l'édifice de l'islam. Et à propos de cette obligation, Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le verset qu'on a lu au début, un verset que vous avez entendu maintes et maintes fois durant ce mois de Ramadan, depuis le début de ce mois, mais dont on doit véritablement saisir le sens et la portée. Ya ayyuha alladhina amanu, Allah il s'adresse aux croyants, ô vous qui croyez, kutiba alaykumus siyam, le jeûne vous est prescrit, kama kutiba alalladhina min qablikum, comme il l'a été à ceux qui vous ont précédé, c'est-à-dire aux religions antérieures, la'allakum tattaqun, ainsi atteindrez-vous la piété. Qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il veut nous faire comprendre ici? Eh bien, tout comme en accomplissant ce devoir religieux, en faisant ce jeûne, eh bien le croyant, il obéit à Allah, il abandonne ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a interdit, eh bien il doit développer cette taqwa, cette conscience permanente qu'Allah subhanahu wa ta'ala est informé de tous ses faits et de tous ses gestes. En effet, lorsque nous sommes en train de jeûner et qu'il nous arrive de ressentir une faim ou une soif excessive, eh bien malgré tout nous respectons cette obligation divine et nous nous abstenons de manger, de boire. Et même si nous avons à portée de main un aliment très appétissant, une boisson fraîche, et que nous sommes certains que personne ne nous voit, mais nous allons nous en abstenir parce que nous savons qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous observe. En d'autres mots, le jeûne, eh bien, c'est l'occasion pour le croyant de montrer sa volonté d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la volonté d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala qui va dominer l'envie de satisfaire ses désirs personnels. Et cela justement à cause de cet amour que nous éprouvons pour notre Créateur, pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, durant ce mois de Ramadan, mes frères et mes mères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous donne l'opportunité de nous rapprocher de lui quotidiennement en 40 occasions de plus que d'habitude, et ceci par la pratique du tarawih. Les 20 rakats de tarawih, en effet, comportent 40 sujoud, 40 prosternations. Et la prosternation est, selon les dires du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le moment où le croyant il se rapproche le plus d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ces rakats de tarawih aussi représentent un moyen exceptionnel pour manifester notre amour envers Allah subhanahu wa ta'ala dans la soumission à ses ordres et dans l'humilité qu'on retrouve dans cette salat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit aussi dans un hadith, man taqarraba minni shibran taqarrabtu minhu dhira'an wa man taqarraba minni dhira'an taqarrabtu minhu ba'an wa man atani yamshi ataytuhu harwala. En ce sens, celui qui se rapproche de moi d'un empan, je me rapproche de lui d'une coudée. Celui qui se rapproche de moi d'une coudée, je me rapproche de lui d'une brasse. Et celui qui vient vers moi en marchant, je viens vers lui en courant. Qu'est-ce qu'on doit comprendre ici? Eh bien que la rétribution d'Allah subhanahu wa ta'ala va surpasser de loin les efforts que l'on peut fournir pour se rapprocher de lui. C'est-à-dire qu'en réalité, l'amour qu'Allah subhanahu wa ta'ala il porte aux croyants sincères, eh bien cet amour n'est pas comparable à l'amour que le croyant il peut porter à Allah subhanahu wa ta'ala. En ce sens que l'amour d'Allah, il devance celui de croyant et il est beaucoup plus fort. De plus, durant ce mois de Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous donne l'opportunité de lire et de réciter davantage le Coran. Le mois de Ramadan, le mois dans lequel le Coran a été révélé, Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Le mois dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il accordait une attention particulière à cette récitation. Et sans aucun doute, la récitation du Coran, qui est la parole même d'Allah, qui émane d'Allah, eh bien c'est un moyen très efficace pour se rapprocher d'Allah et développer cet amour divin. Enfin, le mois de Ramadan, c'est le mois où nous pouvons améliorer notre lien et notre amour avec Allah
en tirant profit beaucoup plus facilement de la dernière partie de la nuit. Étant donné effectivement que nous nous réveillons avant l'aube pour prendre le suhoor, eh bien ce sera l'occasion pour nous d'accomplir le qiyam al-layl, la salat de tahajjud, qui est, comme vous le savez, la prière la plus méritoire après la salat obligatoire, la salat farz. Et que ce soit en ce qui concerne les salats de tarawih ou encore les salats de tahajjud, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit: Man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Celui qui reste debout pour prier durant la nuit du Ramadan, avec iman, avec la foi, avec ihtisab, dans l'espoir d'obtenir la récompense divine, eh bien, il verra ses péchés pardonnés. Donc là aussi, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous donne un moyen pour se rapprocher de lui, du fait qu'on se réveille le matin pour prendre ce repas dans lequel il y a énormément de bénédictions. Et ce moment, c'est aussi un moment propice pour invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Si durant l'année, il n'est pas facile parfois de se réveiller à cette heure-ci, eh bien le fait qu'on se réveille dans cette dernière partie de la nuit, eh bien on doit profiter de cet instant dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala lui-même, il invite le croyant à se tourner vers lui, avec la promesse de nous accorder ce qu'on va lui demander. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit: Idha madha shatrul layli aw thuluthahu yanzilu Allah tabaraka wa ta'ala ila as-sama'i ad-dunya. Lorsque la moitié ou les deux tiers de la nuit sont passés, Allah subhanahu wa ta'ala, il descend vers le ciel le plus proche. Et il dit alors: Hal min sa'ilin yu'ta, hal min da'in yustajabu lahu, hal min mustaghfirin yughfaru lahu, hatta yanfajir as-subh. Y a-t-il quelqu'un qui demande pour que sa requête soit exaucée? Y a-t-il quelqu'un qui invoque pour qu'il soit accepté? Y a-t-il quelqu'un qui implore le pardon pour qu'il soit pardonné? Et cela dure, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, jusqu'à l'apparition de l'aube. Donc dans ces moments où règne le calme, où règne la quiétude, la tranquillité, eh bien chacun de nous, il doit verser des larmes en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala le pardon de ses péchés. Car il faut comprendre, mes frères et mes mères et sœurs, que le tawbah, le repentir, eh bien c'est le point de départ. C'est la première étape spirituelle vers l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les péchés que nous avons commis ou dans lesquels nous sommes plongés s'interposent entre nous et cet amour d'Allah subhanahu wa ta'ala que nous recherchons. C'est pourquoi, eh bien, il faut à tout prix se faire pardonner. Et vous avez déjà entendu la semaine dernière, dimanche dernier, ce bayan sur le taouba. Et nous avons aussi tous entendu ce hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que l'ange Jibrail alayhi salatu wa salam, il s'est présenté à moi lorsque j'ai posé le pied sur la première marche du minbar. Et Jibrail alayhi salam, il a dit: malheur à celui qui laisse passer le Ramadan sans se faire pardonner. Ce à quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il répondit: amin. Alors mes frères, mes mères et sœurs, arrêtons-nous une nouvelle fois, juste un instant, pour réfléchir sur ces paroles dans lesquelles le plus grand des prophètes, miséricorde pour le monde, a approuvé la malédiction lancée par le plus grand des anges, Jibrail alayhi salam, contre celui qui voit ce Ramadan passer et ne se fait pas pardonner. C'est pourquoi, eh bien, il est du devoir de chaque musulman, de chaque musulmane, de chacun d'entre nous, de faire son possible pour profiter de ce pardon et faire un repentir sincère pour l'ensemble des péchés, afin d'obtenir cet amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cet amour qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous offre durant ce mois de Ramadan, on l'a vu à travers ses différentes actions. Chacun de nous, profitons de ces instants pour faire un repentir sincère, implorer Allah, première étape nécessaire vers l'amour divin. Alors les ulama, vous savez, ils nous disent que pour que ce repentir il soit accepté, il y a des conditions à respecter. Premièrement, regretter le péché, c'est-à-dire éprouver des remords pour le mal que l'on a fait. Deuxièmement, arrêter de faire le mal, renoncer, s'éloigner du péché sur le champ. Troisièmement, prendre la résolution ferme de ne pas revenir à ses péchés. Et quatrièmement, si le péché que nous avons commis concerne les droits d'autrui, par exemple, nous avons volé les biens de quelqu'un, nous avons médit quelqu'un, nous avons insulté quelqu'un, alors il y a encore une quatrième condition, vous le savez, pour que le taouba soit correct.
c'est de réparer le mal que l'on a fait. Si on a volé quelque chose, il faudra le restituer. Si on a injurié, calomnié, médit, il faudra se faire pardonner et ainsi de suite. En d'autres mots, si nous avons porté atteinte aux droits d'autrui, eh bien nous avons le devoir de nous faire pardonner par ceux que nous avons lésés. Donc nous devons absolument éviter de nuire à autrui, que ce soit par nos propos, nos gestes, notre comportement. Et nous devons même adopter une attitude positive envers ceux qui nous entourent. En fait, aimer Allah, c'est aller vers l'autre pour se faire pardonner d'une part, et d'autre part, c'est accepter aussi les excuses de l'autre pour Allah, pour le plaisir d'Allah subhanahu wa ta'ala. فَمَنْ عَفَى وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. Car Allah lui-même, il nous dit dans le Coran, quiconque pardonne et réforme, son salaire incombe à Allah. En effet, celui qui se montre indulgent, il pardonne pour Allah, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala, il fera en sorte qu'il soit respecté, qu'il soit honoré, qu'il soit considéré. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a montré le bien qu'il y avait dans la réconciliation et à l'inverse, le danger qu'il y avait dans la dispute et la haine. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois, il demanda « Ala ukhbirukum bi afdhal min darajati siyam wa salat wa sadaqa » Ne vous indiquerai-je pas ce qui est meilleur que le degré du saum, du jeûne, de la salat, de la prière, de la sadaqa, de l'aumône. Qalu bala ya Rasulallah. Alors les sahaba radiallahu anhum, ils ont dit oui au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire islahu dhatil bayn, la réconciliation. Wa fasadu dhatil bayn al haliqa, que la rupture est ce qui rase. Je ne dis pas qu'elle rase les cheveux, mais elle rase la religion. C'est pourquoi, eh bien, ce mois de Ramadan, il vient justement procéder à une remise en question profonde de notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, mais aussi avec les créatures qui nous entourent, pour recentrer correctement nos priorités. Rechercher l'amour d'Allah, mes frères, mes mères et sœurs, c'est le but même de notre création, c'est le sens profond à donner à notre vie. Et aimer Allah, c'est adorer Allah comme si on le voyait. C'est développer cette conscience qu'Allah, il nous voit. Il nous observe, on l'a vu tout à l'heure, mais c'est aussi se montrer bienfaisant envers son entourage pour Allah, pour le plaisir d'Allah. Ce qu'on recherche, c'est Allah. Ce n'est pas un hasard si le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, nous a dit « Thalathum man kunna fihi wajada halawata al-iman, en yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma, wa en yuhibba al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah, wa en yakraha en ya'uda fil kufri kama yakrahu en yuqdhafa finnar. » Celui qui possède trois caractéristiques, trois qualités, goûtera à la douceur de la foi. Premièrement, qu'Allah et son messager soient plus aimés que tout le reste. Deuxièmement, tout de suite après, quand il aime quelqu'un, qu'il ne l'aime que pour Allah. Et enfin, qu'il lui répugne de retourner à la mécréance après qu'Allah l'en ait sauvé, comme il lui répugne de se voir jeté au feu. Il s'agit donc, mes frères et mes mères et sœurs, d'aimer Allah et de s'aimer pour Allah, pas à moi d'Allah. Il y a ces deux dimensions. Et tout comme pour l'acceptation de nos ibadat, de nos actes d'adoration, vous le savez, al-ikhlas, la sincérité, c'est une condition nécessaire. Rechercher le plaisir d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers cette action est un élément essentiel d'acceptation, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit « Man salla yura'i faqad ashrak » Celui qui prie par ostentation, il a fait un shirk. Il a fait un shirk asrar, un petit associationnisme, un petit polythéisme. وَمَنْ صَامَ يُرَاءِ فَقَدْ أَشْرَكْ Celui qui jeûne par ostentation, il a fait un shirk, un associationnisme. وَمَنْ تَصَدَّقَ يُرَاءِ فَقَدْ أَشْرَكْ Celui qui a fait l'aumône par ostentation pour montrer aux gens, il a fait un shirk, un associationnisme. Eh bien, d'un autre côté, il en est de même pour nos relations avec notre prochain. C'est-à-dire que l'amitié ne portera ses fruits que si elle se fonde en Allah. Lorsqu'elle est tournée vers Allah, et non pas par intérêt pécuniaire, financier, non pas pour obtenir des honneurs, non pas pour un bien quelconque. En réalité, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a enseigné que le signe de la foi, eh bien, c'est ne d'aimer que pour Allah. Man ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman. Celui qui a aimé pour Allah, qui a détesté pour Allah, qui a donné pour Allah, qui a privé pour Allah, eh bien, il a parfait sa foi, nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a recommandé ainsi d'être sincères, car l'amour d'Allah,
et l'amour de son prochain pour Allah sont les signes d'une foi authentique. Et il a même dit que la foi, elle sera complète lorsqu'on va aimer son frère comme ce que l'on aime pour soi-même. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit en ce sens, aucun de vous n'est vraiment un croyant jusqu'à ce qu'il aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Donc le musulman, il doit penser aux autres et il doit s'éloigner de toute forme d'égoïsme. Car nombreux sont les hadiths qui nous montrent que s'aimer dans le lien de la foi, eh bien cela relève de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. En fait, le lien d'amour le plus fort qu'il peut y avoir entre deux êtres, c'est celui qui se fonde sur Allah, sur l'amour d'Allah et l'adoration d'Allah. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il nous raconte qu'un jour, anna rajulan zara akhan, un homme, il rendit visite à l'un de ses frères qui habitait dans un autre village. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé un ange sur son chemin. Et lorsqu'il arriva, l'ange lui demanda, où vas-tu? Alors il va dire que je vais rendre visite à un frère qui habite ce village. Alors l'ange il lui demande, est-ce que tu lui as confié quelque chose et tu voudrais t'assurer du bon état de cette chose? C'est la raison pour laquelle tu pars visiter ce frère? Est-ce qu'il y a un intérêt dans cette visite? Eh bien il va répondre, non, je n'ai d'autre motif, je n'ai d'autre intérêt pour lui rendre visite que l'amour que je porte en Allah subhanahu wa ta'ala. Alors l'ange il lui dit, فَإِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكَ بِأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَبَّكَ كَمَا أَحْبَبْتَهُ فِيهِ. L'ange lui dit, je suis envoyé par Allah auprès de toi afin de t'annoncer qu'Allah t'aime. Qu'Allah t'aime comme tu as aimé cette personne en Allah. C'est pourquoi, mes frères et mes mères et sœurs, si les musulmans s'aiment, si les musulmans s'entraident, si les musulmans se conseillent, eh bien c'est par amour pour Allah subhanahu wa ta'ala et par cet amour, on va obtenir l'amour d'Allah et l'amour de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Abu Huraira radiallahu anhu, il rapporte dans un hadith, le hadith qu'on a cité dans le khutba au départ, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Yaqulullahu azza wa jalla yawm al-qiyamah, qu'Allah il dira le jour de la résurrection. Hadith Qudsi. Aina al-mutahabbuna bi jalali, où sont ceux qui se sont aimés dans ma majesté? Où sont ceux qui se sont aimés en moi? Ce jour-là, Allah dit, je les couvrirai de mon ombre, le jour où il n'y aura d'ombre que mon ombre. C'est-à-dire que ceux qui se sont aimés en Allah, eh bien, ils bénéficieront des honneurs. Au jour de la résurrection, alors que les créatures, ils seront sous une chaleur ardente, ils souffriront de cette chaleur, eh bien, ceux qui se sont aimés en Allah, ils seront protégés par l'ombre d'Allah. C'est pourquoi, eh bien, pour obtenir ces degrés, le jour de la résurrection, eh bien les musulmans, ils doivent cultiver cet amour. Les musulmans, ils doivent s'aimer en Allah subhanahu wa ta'ala. Ils doivent s'entraider et ils doivent éviter toute forme d'hostilité et de rancune. Vous savez, si on regarde la vie des sahaba radiyallahu anhum, des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien on pourra retrouver dans ces personnages les meilleurs exemples. Anas ibn Malik radiyallahu anhu, il rapporte, il dit que nous étions assis autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit yatlu alaykum al-an rajulun min ahli al-janna, que vous allez voir apparaître un homme du paradis. Vous allez voir entrer un homme du paradis. Alors, on a vu quelqu'un entrer, quelqu'un qui faisait partie des Ansar. Sa barbe était encore mouillée suite aux ablutions et il portait ses souliers dans sa main gauche. C'est-à-dire que c'était quelqu'un de simple, ce n'était pas quelqu'un d'extraordinaire. Et le lendemain, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit la même chose. C'est-à-dire que vous allez voir entrer quelqu'un du paradis, un habitant du paradis. Et c'est le même homme qui apparut comme au cours de la première fois. Une troisième fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il répète la même chose. Et troisième jour, on voit la même personne qui apparaît comme à la fois précédente. Alors, après le départ du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhu, il va suivre l'homme en question. Il va lui dire, voilà, je me suis disputé, je me suis querellé avec mon père et j'ai juré de ne pas rester chez lui pendant 3 jours, de ne pas rester à la maison pendant 3 jours. Est-ce que tu voudrais bien m'héberger pendant ce délai?
Alors l'homme, il a dit oui. Et Anas ibn Malik, radiallahu anhu, le rapporteur de ce hadith, il dit que Abdullah ibn Amr, radiallahu anhu, il disait qu'il a passé chez cet homme-là 3 nuits. 3 nuits au cours desquelles, en fait, il va observer ce que cet homme-là, il fait. Et il dit qu'il n'a observé aucune œuvre particulière, aucune action extraordinaire, sauf lorsqu'il se retournait dans son lit, eh bien, il se mettait à mentionner le nom d'Allah jusqu'à ce qu'arrive la salat de Fajr, la prière du matin. Et Abdullah ibn Amr, radiallahu anhu, il dit, au bout de ces 3 nuits, alors je lui ai dit, ô serviteur d'Allah, en fait, il n'y avait pas de colère ni de dispute avec mon père. Si je t'ai demandé la permission de rester chez toi, c'est parce que j'ai entendu l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, répéter par 3 fois la même chose, que vous allez voir apparaître un homme du paradis, et c'est toi qui es entré. Alors j'ai voulu m'installer chez toi pour voir quelle était ton œuvre, afin moi aussi de m'y conformer. Mais je n'ai rien vu de grand chez toi. Donc qu'est-ce qui t'a fait atteindre ce degré annoncé par l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam? Alors l'homme, il va répondre qu'il n'y a rien d'autre que ce que tu as vu. Mais Abdullah ibn Amr, radiallahu anhu, il ajoute qu'au moment où j'allais partir, lorsque je lui ai tourné le dos, eh bien, il m'a appelé et il m'a dit. Alors mes frères, ce hadith, vous avez déjà entendu, tout le monde l'a déjà entendu dans un bayan ou l'a déjà lu dans un livre. Mais si on le répète, c'est justement parce qu'il est riche d'enseignements et que chacun de nous, il devrait se dire, est-ce que moi aussi, je peux retrouver ces qualités en moi? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il n'y a que ce que tu as vu, sauf que je ne conçois de ressentiment pour aucun musulman. Je n'envie aucun homme pour ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordé. Alors Abdullah ibn Amr radiallahu anhu, il a dit, voilà ce qui t'a fait atteindre ce degré. Et dans une autre version, il est dit que cet homme-là, il a dit, il n'y a que ce que tu as vu, sauf que je m'endors sans avoir de haine envers aucun musulman. Vous voyez, dans ce hadith, on ne cite même pas le nom de cette personne. C'était quelqu'un d'ordinaire. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que cette personne, il fait partie des gens du paradis. Parce qu'il avait réussi à créer en lui ces qualités du cœur. C'est pourquoi, mes frères, ce mois de Ramadan, il ne s'agit pas simplement de se priver de boire et de manger, mais c'est aussi un jeûne du cœur. Le mois de Ramadan, il vient réformer notre intérieur. Ce mois de Ramadan, il doit permettre à chacun de nous de s'interroger, de se poser la question à son cœur, d'examiner son cœur pour déceler les vices cachés tels que la jalousie, l'envie, la haine, la rancœur. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a ordonné d'extirper de nos cœurs ces maladies spirituelles qui sont à l'origine de toutes sortes de maux dans nos sociétés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. En 3 fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va répéter la même formule et il fait signe vers son cœur en désignant sa poitrine. Car il faut savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé l'être humain en lui conférant un corps, mais aussi une âme. L'être humain, il est composé d'un corps, mais aussi d'une âme. Ala wa inna fil jasadi mudra. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, il y a dans le corps humain un morceau de chair. Idha salahat salaha al jasadu kullu. Wa idha fasadat fasada al jasadu kullu. Ala wa hiya al qab. Lorsqu'il est pur, lorsque ce morceau de chair est pur, lorsqu'il est purifié, lorsqu'il est saint, eh bien le corps entier est purifié et saint. Et lorsqu'il est corrompu, le corps entier est corrompu. Et certes, ce morceau de chair, c'est le cœur. Donc, qu'est-ce qui va sortir de ce cœur? C'est pourquoi il est de notre devoir de purifier nos âmes, de purifier nos corps, en les remplissant, les parant des vertus, des qualités, et en les purgeant des défauts, des vices. C'est donc, là aussi, l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala qui va faire naître dans notre cœur ces bonnes qualités. C'est de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala que va naître l'union entre les hommes. Et c'est de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala que naît le lien le plus profond qui puisse exister entre les hommes, c'est-à-dire la fraternité, l'amitié, comme on l'a dit, pour Allah, pour le plaisir d'Allah, pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un hadith qu'on pourrait prendre en fait comme notre fil conducteur, qui nous a mis en garde contre les facteurs de division dans la société. Et dans ce hadith, il nous a exposé l'origine, les causes des querelles et des disputes. Dans ce hadith de Muslim, Abu Huraira radiallahu anhu, il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « La tahasadu, ne vous jalousez pas, ne vous enviez pas les uns les autres. Wa la tabaradu, ne vous haïssez pas. Ensuite, ne vous espionnez pas, ne vous épiez pas. Et puis, ne vous trompez pas mutuellement.
Et enfin, وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا. Et soyez, ô serviteurs d'Allah, ô serviteurs de Dieu, des frères. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en premier lieu, il condamne ce qu'on appelle en arabe al-hasad, qu'on traduit par la jalousie ou encore l'envie. En fait, le jaloux, lorsqu'il voit quelqu'un jouir d'un avantage qu'il n'a pas, eh bien, il désire parfois que cette personne, il perde tout simplement cet avantage, en ne cherchant même pas pour lui à l'obtenir. Et en fait, c'est comme s'il remettait en cause la décision d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il remettait en cause le destin. Et c'est cette même forme de jalousie qu'a éprouvé Iblis, Shaitan, à l'encontre de Adam alayhi salatu wa salam. C'est pourquoi il faut comprendre que cette jalousie, les ulama, les mashayikh, ils nous expliquent que cette jalousie fait partie des pires maladies spirituelles. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans un autre hadith, Iyyakum wal hasad, gardez-vous de la jalousie. Fa innal hasada ya'kulu al hasanat kama ta'kulu an-nar al hatab. La jalousie détruit les bonnes œuvres, tout comme le feu consume le bois. Alors, à nous de nous poser la question, où est l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsque le musulman, celui qui se dit croyant, il est jaloux et il est tellement envieux de son frère ou de sa sœur qu'il va chercher à lui nuire. Il va chercher à lui faire du mal. Il lui souhaite le mal. Et parfois même, il va lui causer du tort, jusqu'à même utiliser des moyens démoniaques comme la sorcellerie pour faire souffrir et détruire son frère ou sa sœur. Et vous savez, lorsqu'un musulman il a recours à la sorcellerie, au sihr, eh bien son iman est en danger. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit man laysa minna, en ce sens que celui il ne fait pas partie de nous. Ne fait pas partie de nous man sahara aw suhira lahu, celui qui pratique le sihr, la sorcellerie, et celui pour qui la sorcellerie est pratiquée. Et malheureusement, cette jalousie, elle existe bien souvent entre les membres d'une même famille. Elle existe bien souvent entre des proches, entre collègues de travail, entre commerçants, entre amis, etc. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous avait déjà dit, deux loups affamés dans un troupeau d'animaux n'y feront pas autant de ravages que l'amour de l'homme pour le bien matériel et pour la gloire font des ravages sur sa pratique de la religion. L'amour de l'homme pour le bien matériel et l'amour de l'homme pour la gloire, pour les honneurs. C'est pourquoi, afin de remédier à ce fléau, eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a aussi conseillé, il nous a exhorté. Undur ila man huwa dunak. Dans le domaine matériel, regardez ceux qui sont plus bas que vous. Regardez ceux qui sont moins riches, qui vivent dans des conditions plus modestes, qui ont plus de problèmes. Wala tandur ila man huwa fawqak. Dans le domaine matériel, toujours, ne regardez pas ceux qui sont au-dessus de vous. Cela vous permettra de ne pas mépriser le bienfait qu'Allah subhanahu wa ta'ala il vous a accordé et dont vous jouissez. Donc chacun de nous, il doit prendre en considération ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit ici, pour lutter contre ce sentiment qui peut naître dans le cœur. Ensuite, deuxième chose dénoncée par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith qu'on a cité, c'est la haine. Et si haïr est interdit, eh bien sont interdits aussi toutes les causes, tous les actes et toutes les paroles qui mènent à la haine. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, dans la sourate Al-Hujurat, il nous montre les comportements à bannir dans notre vie de tous les jours. Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous exposer les actes détestables, les causes qui entraînent la haine, la désunion et qui détériorent les relations sociales. Dans cette sourate, Allah subhanahu wa ta'ala, tout d'abord, il va nous rappeler ce devoir de fraternité. Et il nous dit, entre autres, « Innama al-mu'minuna ikhwa » que vous êtes des frères, que les croyants, ils sont des frères, ils sont unis par la fraternité dans la foi. La fraternité dans l'iman, dans la foi, une fraternité qui exige que l'on se connaisse et non pas qu'on s'ignore, qu'on reste lié et non pas qu'on coupe les liens, qu'on ouvre nos cœurs et non pas qu'on se rejette, qu'on s'aime et non pas qu'on se déteste. Qu'on aime en Allah parce qu'il y a ce lien de fraternité et non pas qu'on se déteste. Et afin de protéger la fraternité et de préserver le caractère sacré des individus, eh bien dans les versets qui suivent, Allah subhanahu wa ta'ala nous interdit un certain nombre d'attitudes qu'on va citer et qui est en fait une ligne de conduite qui a été tracée et que chacun de nous il doit respecter. Premier comportement à proscrire
Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Ya ayyuha alladhina amanu la yaskhar qawmun » Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse aux croyants. Et il dit « Ô vous qui avez cru qu'un groupe ne se raille pas d'un autre groupe. » Premier comportement à bannir, la moquerie. Imiter quelqu'un en copiant sa voix ou sa façon de marcher par des gestes de façon à mettre en évidence ses défauts, ses handicaps et rire de cela, cela est interdit par l'islam et cela n'est pas correct pour celui qui a iman. Deuxième type de comportement à condamner, le dénigrement. Wala talmizu anfusakum, ne vous dénigrez pas. Allah subhanahu wa ta'ala nous interdit d'injurier, d'insulter les gens, d'accuser, de blâmer. On doit à tout prix éviter, si on veut garder cette fraternité, eh bien, de se blesser et de s'offenser mutuellement. Car vous savez, mes frères et mes mères et sœurs, car si les blessures de la chair se cicatrisent, eh bien, les blessures occasionnées par la langue au cœur ne se cicatrisent pas. Troisième élément dans ce verset, « Wala tanabazu bil alqab » Ne vous lancez pas mutuellement des sobriquets. Les sobriquets injurieux, c'est-à-dire qu'il est interdit d'appeler une personne par un nom méprisant ou lui donner un surnom qui l'humilie, qui le rabaisse ou exprime la moquerie. Ensuite, dans le ayat suivant, Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne d'éviter de penser mal des autres, de s'éloigner des soupçons sans preuve ni argument. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Ya ayyuhalladhina amanu »« Ô vous qui avez cru, ijtanibu kathiram minazan » Évitez de trop conjecturer sur autrui. « Inna ba'dadhanni ithm » Car une partie des conjectures est péché. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il continue dans ce verset. Alors on passe en revue « Wala tajassassu » Et n'espionnez pas, c'est-à-dire ne cherchez pas les informations les plus discrètes et les plus intimes sur les autres. En effet, comme il nous a été rapporté dans le hadith qu'on avait cité, il est interdit d'espionner, d'épier son frère musulman ou sa sœur musulmane. Car Allah subhanahu wa ta'ala, il a protégé notre vie privée, notre sphère personnelle. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous parle ensuite d'un fléau largement répandu et qui n'épargne que très peu de gens. Al-riba, la médisance. Ya ayyuhalladhina amanu, Allah subhanahu wa ta'ala, il avait commencé avec cette interpellation en interpellant les croyants. Et là, il nous dit, wala yartab ba'dukum ba'dha. Ne médisez pas les uns des autres. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumu. L'un de vous aimerait-il manger la chair de son frère mort? Alors, vous avez déjà entendu aussi la semaine dernière des éléments concernant la médisance, médire, c'est-à-dire tenir sur son frère ou sa sœur en son absence des propos qu'il n'aimerait pas entendre. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il compare cela au fait de manger la chair morte de son frère ou de sa sœur. C'est pourquoi, tout comme nous faisons attention à ne pas consommer de la nourriture pendant ce jeûne du mois de Ramadan, eh bien faisons attention aussi à ne pas prononcer des mauvaises paroles qui viendraient endommager ce saum, ce jeûne. Et lorsque nous allons manger le soir, eh bien là aussi, ne mangeons pas le cadavre de notre frère ou la chair morte de notre sœur, comme l'a comparé Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset. Et lorsque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il s'adresse à ses compagnons et qu'il avait défini la médisance, il avait dit « In kana fihi ma taqul faqad irtabtahu » Si ce que tu dis correspond à ce qui est en lui, eh bien c'est ça même la médisance. « Wa illam yakun fihi faqad bahatta » Mais si ce que tu dis en lui n'est pas correct, n'est pas en lui, eh bien tu le calomnies. Et à propos de cette calomnie, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit « La yadkhulul jannata namam » N'entrera pas au paradis celui qui rapporte les propos pour semer la discorde. Pour vous montrer la gravité de la médisance, de la calomnie, de la diffamation, qui sont des habitudes, des vices qui entraînent la suspicion, la méfiance entre les gens et qui viennent détruire cette fraternité, qui viennent détruire les relations sociales et même les liens familiaux. C'est pourquoi le musulman, eh bien, il doit respecter un certain nombre de règles qui sont, on l'a vu, comme un mode d'emploi dans le Coran en matière d'usage de la parole. Enfin, dans le hadith cité au début, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous met en garde contre le fait de tromper son prochain. Où est l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, mes frères et mes mères et sœurs, lorsque nous allons abuser de la naïveté de notre frère, de la naïveté de notre sœur, lorsque nous allons arnaquer les gens ou lorsque nous allons mentir? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a bien dit en ce sens que la nature du fidèle croyant, il peut s'accoutumer à tous les défauts, sauf de la trahison et du mensonge. C'est pourquoi le croyant, au contraire, eh bien, il est tenu de faire preuve d'honnêteté, d'intégrité, que ce soit dans ses relations sociales, économiques,
mais aussi familiale, professionnelle et autres, etc. C'est pourquoi je ne suis pas musulman dans la masjid uniquement. Je ne suis pas seulement musulman dans le mois de Ramadan, mais à chaque instant, à chaque moment de ma vie, je dois avoir ce comportement qui m'a été décrit dans le Coran et dont on retrouve dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce sont des recommandations justement pour nous protéger des querelles, des divisions et pour nous amener à la fraternité. Et à la fin du hadith qui a été cité, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit en effet « Wakunu ibadallahi ikhwana » et soyez aux serviteurs d'Allah des frères. Et là encore, eh bien, revenons vers la sira, revenons vers l'exemple des compagnons radiyallahu anhum, des sahaba radiyallahu anhum. Lorsque vous étudiez la sira, vous voyez qu'à travers la hijra, à travers l'émigration des croyants de Makkah à Madina, comme vous le savez, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il va instituer un pacte de fraternisation entre les muhajiroun, ceux qui ont quitté Makkah donc pour venir s'installer à Madina, et les ansar, c'est-à-dire les médinois qui les avaient reçus et les avaient secourus. Vous savez tous c'est quoi ce pacte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il va établir entre ces muhajiroun et ces ansar. Vous avez souvent entendu à travers les récits de sahaba radiyallahu anhum quel enseignement a été communiqué par le prophète sallallahu alayhi wa sallam et quel a été le comportement des sahaba radiyallahu anhum. Et à travers cet événement, il y a pour nous une leçon de fraternité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a voulu qu'autour de cette fraternité, les cœurs y se rassemblent. Alors, Abdullah ibn Salam radiyallahu anhu, qui était un rabbin juif, qui était un savant juif, et qui va ensuite se convertir à l'islam, il raconte que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam arriva à Madina, lui qui habitait à Madina, il alla le visiter. Et lorsque il vit le visage du prophète sallallahu alayhi wa sallam, immédiatement il dit qu'il avait compris que ce visage n'était pas celui d'un menteur. Alors il nous rapporte les paroles, les premières paroles qu'il va entendre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc il arrive à Madina, il fait cette hijra de Mecca à Madina. Et lorsqu'on va étudier ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous a dit, à partir de petites phrases très courtes, eh bien on verra quel était l'enseignement de la fraternité qui nous a été transmis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit « Ya ayyuhannas, ô vous les gens, afshu salam, répandez le salam, wa at'imu at'am, donnez à manger, nourrissez le pauvre, wa silul arham, cultivez, maintenez les liens de parenté, entretenez les liens familiaux. Wa sallu bil-layli wan-nas niyam, et priez la nuit alors que les gens dorment. Tadkhulu jannata bisalam, vous entrerez au paradis en toute sécurité. » Alors, la première recommandation que donne le prophète sallallahu alayhi wa sallam en arrivant à Madina, vous avez vu c'est quoi? Ça porte sur le salam. Afshu salam. Regardez cette petite parole simple. Répandez le salam parmi vous, nous a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une petite phrase dans laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il explique aux gens qui sont venus l'écouter pour son premier discours qu'en fait l'islam, il nous enseigne de nous aimer. En effet, parmi les moyens pour manifester la fraternité, l'amitié entre nous, eh bien une petite action à nos yeux qui a été ordonnée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est de se saluer lorsqu'on se rencontre. Un moyen qui facilitera la cohésion, l'union entre les individus dans une société. Et c'est quoi le salam, mes frères, mes mères et sœurs? C'est une salutation qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le salam, c'est une formule qui est bénie et il est entouré de beaucoup de récompenses. Assalamu alaikum, on aura 10 récompenses. Lorsqu'on rajoute wa rahmatullah, eh bien 10 récompenses de plus. Wa barakatuh, et encore 10 récompenses davantage, donc 30 récompenses. Et pourquoi nous disons assalamu alaikum? Qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, à travers cette salutation, il attend de nous? Qu'est-ce que représente ce salam? Qu'est-ce qu'il signifie? Eh bien, ce salam, il est là justement pour développer l'amour qu'il y a entre les créatures. Il est là pour montrer, pour manifester de manière évidente et claire notre amour que nous portons les uns envers les autres. Le salam, il est là pour dire, en fait, j'aime mon frère musulman, j'aime ma sœur musulmane, j'ai de la compassion pour mon frère musulman. Il y a entre moi et lui une proximité. C'est mon frère et c'est ma sœur parce qu'il a iman, parce qu'elle a iman.
Et c'est ce que nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un autre hadith. La tadkhulu jannata hatta tu'minu. Vous n'entrerez pas au paradis tant que vous ne serez pas véritablement croyant. Wa la tu'minu hatta tahabbu. Et vous ne serez pas véritablement croyant tant que vous ne vous aimerez pas les uns les autres. Et mes frères, comme on le disait tout à l'heure, la foi en Allah, c'est un lien vertical envers Allah subhanahu wa ta'ala, mais c'est aussi un lien horizontal entre nous. Si tu aimes Allah, eh bien tu dois aussi aimer ceux qui aiment Allah. Si tu aimes Allah, eh bien tu dois avoir de l'amour et de la compassion pour ceux qui, comme toi, se prosternent devant Allah. Tu dois avoir de l'amour et de la sympathie pour ceux qui, comme toi, fréquentent la masajid, les masajid, la mosquée. Tu dois avoir de l'amour et de la fraternité pour ceux qui, comme toi, lisent le Coran. Et tu ne dois pas être indifférent par rapport à cela. Si tu aimes vraiment Allah, eh bien ces gens-là aussi, tu ressens une amitié pour eux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il continue. Awala adullukum ala shay'in idha fa'altumuhu tahabbtum. Ne vous indiquerai-je point une chose, une action, que si vous le faites, vous vous aimerez les uns les autres. Afshu salam baynakum. Propagez, répandez le salam, la salutation entre vous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous indique donc encore une fois que pour nous aimer, eh bien, répandez le salam, cela va nous aider. Donc le salam, c'est un moyen d'ancrer dans son cœur l'amour pour son frère et c'est un moyen de débarrasser de son cœur l'orgueil. Pourquoi ? L'orgueil, c'est quoi ? C'est lorsqu'on va saluer seulement les gens importants, que nous considérons importants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous invite à nous débarrasser de cela. Si c'est ton frère en Allah, eh bien, il a de la valeur auprès d'Allah. Même si pour les gens, il n'a pas de valeur. Mais pour Allah, il a de la valeur parce qu'il a iman. Peut-être qu'il a même plus de valeur que cette personne que tu considères importante. Parce qu'aux yeux d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala le considère plus. C'est pourquoi, eh bien, le salam, c'est pour développer l'amour qu'on a envers les autres, mais c'est aussi pour nous protéger de certaines maladies du cœur, comme l'orgueil, la haine, et pour enlever la distance entre les gens. Et quand on regarde toutes les règles qui sont liées au salam en islam, tous les hadiths, etc., eh bien, on voit que dans toutes ces paroles, il y a justement cette idée d'augmenter l'amour et de diminuer l'orgueil, la haine, etc. Par exemple, une première règle, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit de saluer celui qu'on connaît et celui qu'on ne connaît pas. Et naturellement, l'être humain, il a tendance à saluer les personnes qu'il connaît et il s'écarte de celui ou de celle qu'il ne connaît pas. Mais ce n'est pas ce que nous enseigne l'islam. Lorsqu'on a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, « Ayyul islami khayrun » Quelles sont les meilleures œuvres ? Alors, il va répondre, « Tut'imu at-ta'am wa taqra'u as-salama 'ala man 'arafta wa man lam ta'rif » De donner à manger et de saluer celui que tu connais et celui que tu ne connais pas. Donc le salam, ce n'est pas réservé à une certaine catégorie de personnes. Le salam, ce n'est pas réservé à une certaine catégorie de musulmans. Mais à partir du moment où la personne est musulmane, je lui fais salam. Et cela vise à renforcer les liens de la communauté. Parce que si je disais uniquement salam aux personnes de mon âge, si je disais seulement salam aux personnes qui partagent les mêmes idées que moi, si je disais salam uniquement aux personnes qui sont de la même catégorie socio-professionnelle que moi, si je disais salam uniquement à ceux qui sont de la même origine ethnique que moi, ceux qui habitent uniquement dans ma ville, eh bien le salam, elle n'aurait pas la valeur et la portée que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a voulu nous enseigner. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit de faire salam à tout le monde, car tout le monde mérite notre salam. Une deuxième règle, c'est de saluer en premier. L'orgueilleux, lui, ne va pas saluer en premier, parce qu'il pense qu'il est meilleur que l'autre. Et il pense que lorsqu'il va faire salam, il va se rabaisser. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, en ce sens, que la personne qui est la plus digne de l'amour d'Allah, c'est la personne qui salue en premier. Wa ghayruhuma alladhi yabda'u as-salam. Si tu veux qu'Allah t'aime, eh bien salue en premier. Parce qu'en réalité, celui qui salue en premier, mes frères, il ne s'est pas rabaissé. Loin de là, il a montré la pureté de son cœur. Lorsqu'on salue, c'est une adoration, c'est une invocation. Et les invocations reviennent à qui ? À Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un des moyens les plus simples par lesquels on va se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc celui qui salue en premier, qui fait salam en premier, il a fait plaisir à qui ? À Allah, à son Rab, à son Seigneur, et il sera récompensé par Allah. Et même lorsqu'il y a une dispute, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, regardez comment l'islam il a pris en compte toutes ces facettes de notre vie. Même lorsqu'il y a une dispute,
Eh bien, les musulmans, ils n'ont pas le droit de s'ignorer pendant plus de 3 jours. Il se peut qu'il y ait un froid, mais pas plus de 3 jours. Au bout de 3 jours, la fraternité doit reprendre le dessus. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, justement, il nous montre là encore que le meilleur des deux, de ces deux personnes qui se sont disputées, le meilleur des deux, c'est celui qui salue en premier. Le meilleur des deux, c'est celui qui va voir l'autre, celui qui passe le salam, celui qui montre qu'il faut oublier, qu'il faut tourner la page maintenant, qu'il faut passer à autre chose, parce que nous aurons des comptes à rendre devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour renforcer mon amour pour Allah et pour diminuer mon orgueil, eh bien, je viens te faire salam et je passe sur ce qui s'est passé. Enfin, une autre règle qui nous a été enseignée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est de rencontrer son frère avec un visage souriant. La sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est de rencontrer son frère avec un visage souriant, parce que ça va renforcer l'amour qu'il y a entre nous. C'est pourquoi on ne doit pas dénaturer le salam. C'est quoi dénaturer le salam? C'est que je fais salam sans comprendre l'objectif. Non, le salam, il est là pour faire disparaître cette différence apparente entre nous, pour rapprocher nos cœurs, et c'est un moyen d'obtenir des récompenses et c'est un moyen d'effacement des péchés. Et par ailleurs, le salam, c'est un devoir. C'est-à-dire, si quelqu'un nous a fait salam, eh bien, on est dans l'obligation de rendre le salam. Ça fait partie du droit du musulman. Alors, si on veut soutenir, on veut défendre l'islam, on veut travailler, on veut soutenir la religion, on a des grands projets, eh bien, c'est bien. Mais avant d'arriver à tout cela, eh bien, il faut qu'il y ait d'abord de l'amour et de la compassion entre nous. Il faut commencer par les petites choses. Si nous n'arrivons pas à faire les petites choses, eh bien, comment nous allons faire les grandes choses et les grands projets? Comment voulez-vous que nous allons ressembler aux sahaba radiallahu anhum si ces petites choses, les simples salams entre nous n'existent pas? Ça, c'est la première chose à faire. Être conscient que ces petites choses simples, telles que le salam, peuvent changer beaucoup de choses. Mes frères, regardez comment étaient nos pieux prédécesseurs, là encore. Abu Idris al-Khulani, rahmatullahi alayh, il nous raconte son récit, il dit que j'entrais dans la mosquée de Damas et j'ai vu un homme aux dents blanches, aux incisives brillantes, c'est-à-dire un homme qui souriait beaucoup, un homme qui justement avait ce visage souriant avec les gens. Et il dit que je voyais lorsque les gens, ils avaient une divergence entre eux, lorsqu'ils étaient en désaccord sur une question, ils allaient se référer à cette personne-là, ils lui exposaient le problème, le masla, etc. Et ils adoptaient son opinion, son avis. Alors je me renseignais pour savoir qui était cette personne. Je me renseignais sur son identité. Et on me dit qu'il s'agissait de Mu'ad ibn Jabal, radiyallahu anhu. Alors le lendemain, je me rendis très tôt à la salat de bonne heure, à la prière du matin à la mosquée. Et là, je vis que Mu'ad, radiyallahu anhu, il était arrivé plus tôt que moi. Et il était en train de faire la salat, de prier. Alors, j'ai attendu qu'il termine sa salat. Et puis, je suis venu vers lui et je l'ai salué. Et je lui ai dit, « Wallah, inni la uhibbuka lillah. » Par Allah, je t'aime pour la cause de Dieu. Je t'aime pour la cause d'Allah. Alors, il m'a dit, « Par Allah, c'est par Allah que tu m'aimes ?» Il m'a posé cette question et je lui ai dit, « Oui, par Allah. » Alors il va réitérer sa question, il me redemande une nouvelle fois, « Par Allah, c'est par Allah que tu m'aimes ?» Alors je lui dis, « Oui, par Allah. » Alors il a pris les bords de mon vêtement, au niveau de mon col, il a saisi mon manteau, il m'a tiré vers lui et il m'a dit, « Reçois la bonne nouvelle. Reçois la bonne nouvelle, réjouis-toi, car j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتجالسين فيا والمتزاورين فيا والمتبادلين فيا. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, j'aime assurément ceux qui s'aiment pour ma cause. Mon amour revient à ceux qui s'aiment en moi. J'aime ceux qui s'assoient ensemble et se réunissent pour ma cause. J'aime ceux qui se rendent visite pour ma cause et se donnent des aides pour ma cause. Donc, le fait d'être chaleureux, de dire à son frère que l'on aime pour Allah, ça va renforcer les liens mutuels et ça va nous permettre aussi d'obtenir l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on voit aussi qu'il y a beaucoup de mérite de visiter les gens pieux, de rester en compagnie des salihin, des gens pieux. L'homme, il doit choisir pour ami les gens pieux afin d'être en leur compagnie le jour du jugement. Deuxième clé, deuxième élément d'une société fraternelle qui nous a été énoncé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith, c'est quoi ? Wa at'imu at-ta'am, donner à manger, nourrissez le pauvre. Et là aussi,
lorsqu'on nourrit le pauvre, lorsqu'on donne à manger, eh bien c'est pour l'amour d'Allah, c'est pour le plaisir d'Allah. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala de le Coran, dans la sourate Ad-Dahr, il nous parle des gens du paradis qui nourrissaient les gens et qui donnaient à manger aux pauvres. Innama nut'imukum liwajhillah, la nuridu minkum jaza'an wa la shukura. Nous ne voulons de vous ni récompense ni gratitude. Et sachez que le pauvre, si on lui donne, eh bien, il va développer de l'amour dans son cœur. Il fera des invocations pour celui qui lui a donné quelque chose. On sera alors dans une société où il y aura moins d'animosité et plus de fraternité. En revanche, si on ne donne pas, on ne partage pas, on ne donne pas aux pauvres, eh bien, il risque d'avoir dans son cœur de la jalousie, de la haine. Parce qu'il se demandera pourquoi certains sont favorisés et pas moi. Pourquoi certains, ils ont telle et telle chose et pas moi. Et pour éviter cela, la solution, c'est justement que celui qui a le plus de moyens, eh bien, il offre aussi de la nourriture aux pauvres. Il soutient le pauvre. Et à ce moment-là, la société sera apaisée. C'est pourquoi lorsqu'un croyant, il jeûne, eh bien, il se prive de façon temporaire pour que justement, cette privation lui fait rappeler les bienfaits qui lui ont été accordés par Allah subhanahu wa ta'ala par rapport aux autres qui subissent des conditions difficiles et qu'il doit aider. Quand on jeûne, on pense aux pauvres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était ajwad an-nas, celui qui était le plus généreux des hommes. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan, et se montrait encore plus généreux pendant le mois de Ramadan. Aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit dans ce hadith que vous avez déjà entendu, ma amana bi, n'a pas cru en moi, n'a pas iman. Man bata shab'ana wa jaruhu ja'a ila janbihi wa huwa ya'lamu bihi. Celui qui dort repu et sans souci. N'a pas cru en moi celui qui dort sans souci, alors que son voisin qui se trouve à côté de lui a faim et il est au courant de cela. C'est-à-dire qu'il sait que son voisin n'a pas mangé et il n'a pas eu le souci de donner à manger à cette personne-là. C'est pourquoi le mois de Ramadan, c'est un mois de solidarité, c'est un mois d'union, c'est un mois qui doit être pour chacun de nous un facteur d'amitié, d'amour pour Allah, d'amour pour autrui en Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi les piliers de l'islam, vous savez qu'il y a aussi la zakat. La zakat, c'est un droit du pauvre qui est stipulé dans les textes. Ce n'est pas une charité, c'est son droit, c'est l'obligation que le riche, il doit donner au pauvre. Et le pauvre, il n'a pas à dire merci. Recevoir la zakat, c'est son droit sur cette terre. Et vous savez qu'à la fin de ce mois de Ramadan, il y aura aussi la zakatul fitr. La zakatul fitr aussi, c'est un droit du pauvre qui va permettre, là encore, de renforcer les liens d'amitié entre les hommes dans l'amour en Allah subhanahu wa ta'ala. Troisième élément de hadith, wasilul arham, maintenez les liens de parenté. Et mes frères, les plus proches dans ces liens de parenté, les plus proches des plus proches, ce sont bien sûr nos parents. Tout à l'heure, lorsque nous avons évoqué le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait « Malheur à celui qui laisse passer le mois de Ramadan sans se faire pardonner », ce à quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il répondit « Amin ». Eh bien, il faut savoir que l'ange Ibrahim alayhi salam, il a dit aussi « Malheur à celui qui se trouve en présence de ses deux parents, ou l'un des deux, dans leur vieillesse, et que ceci ne devienne pas pour lui un moyen d'accéder au paradis ». Et là aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « Amin ». Est-ce que vous avez compris ce que cela veut dire? Cela veut dire que ton paradis passe par le respect et le fait de servir à tes parents. Est-ce qu'il est concevable qu'un musulman, il ne rende pas visite régulièrement à ses parents? Est-ce qu'il est concevable qu'un musulman, il soit en conflit avec ses parents et il ne cherche pas la réconciliation? Même s'il est persuadé que ses parents ont tort, même s'il pense que ses parents lui ont fait du mal, mais si demain tu meurs et ses parents meurent et que tu n'as pas fait la paix, eh bien c'est toi qui en paieras le prix. C'est pourquoi, eh bien cet amour pour Allah subhanahu wa ta'ala dans ces situations doit nous permettre de nous dire que cela est un devoir pour moi de respecter mes parents, de servir mes parents, quelle que soit la situation, quels que soient les événements qui ont pu se dérouler. Est-ce qu'on a compris? Est-ce qu'on a médité sur cette formule que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Al-jannatu tahta aqdamil ummahat, le paradis se trouve au pied des mamans, des mères. Quelle est mon attitude? Quel est mon comportement envers mon père, envers ma mère qui me garantit le paradis? Lorsque nous étions petits, eh bien c'est eux qui se sont occupés de nous, c'est eux qui nous ont élevés, c'est eux qui se sont levés maintes et maintes fois les nuits. Et c'est lorsqu'on devient parent qu'on aura conscience, qu'on réalise la valeur de nos propres parents. Et nous ne trouverons pas sur cette terre quelqu'un qui nous aime plus que nos parents. Même si tu es âgé, même si tu as des enfants,
eh bien, tu seras toujours le fils ou la fille de ton papa et de ta maman. C'est pourquoi lorsque nous allons voir notre maman, eh bien, elle s'occupe de nous comme si nous étions encore un petit enfant à ses yeux. Il faut comprendre en fait que personne n'aura autant de bonté pour nous que nos parents. Et les parents, ce sont les seuls qui préfèrent la réussite de leurs enfants plus que la leur. Ce sont les seuls qui souhaitent que leurs enfants les dépassent. Même un ami ne veut pas que son ami le dépasse. Mais les parents, ce sont les seuls qui souhaitent que leurs enfants soient meilleurs qu'eux dans tous les domaines, que ce soit dans le dîn, dans le domaine religieux, que ce soit dans la réussite sociale, etc. Donc n'attendons pas que nos parents ne soient plus dans ce monde pour ensuite éprouver des regrets. Demandez à quelqu'un qui a perdu ses parents, demandez à quelqu'un qui a perdu un de ses parents, eh bien combien il serait prêt à donner, combien il serait prêt à faire pour passer un moment avec ses parents, pour rattraper ce temps perdu ou pour faire ce qu'il n'a pas pu faire. C'est pourquoi lorsque nos parents sont encore vivants, eh bien, ne soyons pas insouciants. Soyons attentifs à leurs demandes. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit qu'on ne pourra pas racheter la dette qu'on a envers nos parents, eh bien, il faut réaliser aussi cette parole-là. Ibn Umar radiallahu anhu, il dit qu'un jour, il a vu un homme faisant la tawaf de la Kaaba. Et cet homme-là, il portait sa mère sur son dos. Alors cet homme-là, il va demander, il va dire à Ibn Umar, est-ce que j'ai remboursé la dette envers ma mère? Alors Ibn Umar, il répond, par Allah, tu n'as même pas remboursé un cri qu'elle a poussé le jour de l'accouchement. Pour nous montrer la valeur de nos parents. Et si nos parents sont décédés, rahmatullahi alayhim ajma'in, alors, qu'est-ce qu'on peut faire si nos parents sont décédés? Là aussi, l'islam nous a enseigné comment respecter ses parents même après leur décès. Comment faire? Eh bien, invoquer Allah subhanahu wa ta'ala en demandant des du'as à Allah subhanahu wa ta'ala, demandant à Allah subhanahu wa ta'ala de leur faire miséricorde. C'est pourquoi, eh bien, nous devons envoyer quotidiennement des cadeaux pour nos parents qui sont décédés. Comment? En faisant des du'as pour eux. Enfin, dernier élément qui a été évoqué dans le hadith, c'est prier la nuit pendant que les gens dorment. Wasallu bil-layli wan-nas niyam. Allah subhanahu wa ta'ala dans la sourate As-Sajda, il nous dit: Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ils s'arrachent de leur lit pour invoquer leur Seigneur par crainte et espoir, et ils font largesse de ce que nous leur attribuons. Regardez mes frères, mes mères et sœurs, quel lien il y a entre le fait de se lever la nuit pour prier, de s'arracher de son lit, pour reprendre la formule qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a employée, et de faire largesse de ce que Allah nous a attribué, c'est-à-dire de donner l'aumône. Allah subhanahu wa ta'ala il nous montre que ceux qui se lèvent la nuit, ils font l'aumône dans la journée. Ceux qui se lèvent la nuit, ils sont poussés pour accomplir les bonnes œuvres. Comme un véhicule qui a besoin de carburant pour que le moteur il avance, il fonctionne, eh bien, la prière de la nuit, en fait, c'est pour le croyant son essence, c'est son carburant qui va lui permettre de faire de bonnes actions la journée. Lorsqu'on prie la nuit, lorsqu'on invoque Allah, lorsqu'on lit le Coran, eh bien, on aura cette force spirituelle dans la journée pour être bon. On aura cette provision spirituelle qui va aussi dompter notre cœur pour enlever les maladies spirituelles de notre cœur. En quelque sorte, pour fermer la boucle par rapport à ce qu'on disait en introduction, eh bien, profitons de ces nuits de Ramadan pour prier Allah, pour se mettre debout devant Allah et pour tendre nos mains devant Allah. De cette dernière, ce dernier tiers de la nuit, comme nous avons évoqué dans le hadith tout à l'heure, où Allah il nous demande, y a-t-il quelqu'un parmi vous qui m'invoque pour que j'exauce? Y a-t-il quelqu'un parmi vous qui demande pour que je lui donne? Y a-t-il quelqu'un parmi vous qui demande pardon pour que je lui pardonne? Donc, chacun de nous ne doit pas rater ce rendez-vous avec Allah subhanahu wa ta'ala. Avant de demander les créatures, demandons à Allah. Abu Huraira radiallahu anhu, il rapporte ce hadith pour finir, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فإن أبتت نضح في وجهها الماء. Qu'Allah il fasse miséricorde à cet homme qui se lève la nuit afin d'accomplir la salat. Il réveille son épouse. Il asperge le visage d'eau si elle refuse. C'est-à-dire si pour réveiller son épouse, il ne va pas
mettre un litre d'eau, mais il va jeter un peu de l'eau délicatement. Rahimallahu imra'atan qamat min al-layli wa sallat wa ayqadhat zawjaha fa in aba nadhahat fi wajhihi al-ma. Et qu'Allah fasse miséricorde à une femme qui se lève la nuit afin d'accomplir la salat, et elle réveille son mari, si son mari dort et qu'il refuse de se réveiller, en lui aspergeant un peu d'eau sur son visage. Avec quelle affection on doit faire ce geste pour montrer qu'on doit être unis dans cet amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. L'amour dans le couple, c'est un amour naturel certes, mais c'est aussi un amour pour Allah subhanahu wa ta'ala, un amour pour progresser spirituellement, pour se rapprocher d'Allah ensemble et pour aller vers Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné quelques ingrédients, on l'a vu dans ce hadith, pour une société fraternelle, pour amener la fraternité et nous éloigner de ces maladies spirituelles. Il y avait le salam, on l'a vu, le fait de donner à manger, le fait de penser aux pauvres, de maintenir les liens de parenté et aussi se ressourcer dans la salat, se ressourcer dans la prière. Donc en conclusion, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous formons une umma, une communauté. Et l'édification de cette umma, de cette communauté, a été un des objectifs principaux du prophète sallallahu alayhi wa sallam et même des sahaba radiallahu anhum de leur action. Cette communauté, elle n'a pas été fondée sur des critères de couleur ou d'ethnie. Cette communauté, elle a été fondée sur le principe du iman et de la foi, sur le principe de l'amour en Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a donné une image du rapport de fraternité qui doit unir les musulmans entre eux. Lorsqu'il dit « Al-mu'minu mir'atul mu'min », le croyant est le miroir du croyant. C'est quoi le miroir du croyant? Tout comme on se regarde dans un miroir, eh bien, sincèrement et discrètement, ce miroir, il va nous montrer ce qu'il faut corriger en nous. Eh bien, de la même façon, le croyant, il doit être pour le croyant sincère et de façon discrète, il doit lui montrer qu'est-ce qu'il doit faire pour qu'il s'améliore, pour qu'il progresse, pour qu'il se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cette comparaison du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle a pour but de nous faire prendre conscience que nous avons ce devoir entre nous de nous conseiller mutuellement, non pas de mépriser, de dénigrer, non pas dans le but de dévoiler les faiblesses de l'autre, mais c'est bien parce que j'aime mon frère, j'aime ma sœur qu'on lui indique sincèrement ses erreurs. Et de la même manière que moi je lui indique ses erreurs, il faut que moi aussi je suis prêt à écouter ce qu'il a à me dire lorsqu'il va me donner un conseil de façon sincère. Donc c'est une communauté qui avance ensemble. C'est pourquoi on doit être reconnaissant envers la personne qui nous aide à progresser spirituellement. Et deuxièmement, le musulman, il aime Allah. Donc lorsqu'il aime Allah, on l'a vu, il jeûne, il prie, mais aussi il considère le bien-être des autres. Dans la mesure de ses moyens, il va aider les autres qui sont dans le besoin. Comme nous décrit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, « Mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasad, idha shtaka minhu udhun, tada'a lahu sa'irul jasadi bis sahari wal humma. » L'exemple des croyants dans l'affection et la compassion et la bonté qui les unit est comparable à un corps. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a comparé les croyants à un corps. Et lorsqu'un membre est affecté, c'est l'ensemble du corps, l'ensemble de l'organisme qui réagit par le manque de sommeil et la fièvre. Donc le musulman, il est prêt toujours à rendre service à son frère, à lui tendre la main et à manifester à chaque fois la fraternité lorsque le besoin se fait ressentir. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit aussi « Wallahu fi auni l'abdi ma kana l'abdu fi auni akhihi » Allah, il vient en aide au serviteur tant que celui-ci il vient en aide à son frère. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a comparé cette communauté également à un édifice. Un édifice dont chacune des pierres est renforcée par les autres. C'est-à-dire que pour être fort, eh bien les musulmans ils doivent rester unis. Ce n'est pas une fraternité de façade, ce n'est pas une fraternité qui est basée sur des intérêts économiques, matériels, éphémères, etc. Mais c'est bien par amour pour Allah subhanahu wa ta'ala, par amour pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour avancer ensemble dans le meilleur. Et c'est bien au sujet de cette fraternité que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait « Sab'atun yudhilluhum allahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhillu » que parmi les sept catégories de personnes qui seront à l'ombre du trône d'Allah le jour final,
رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. Il y a ceux qui s'aimaient en Allah, qui se réunissaient et se séparaient pour cet amour d'Allah, donc qui animait leur fraternité et leur amitié. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous accorde le tawfiq de faire partie de ces gens qui s'aiment en Allah, ces gens qui se réunissent en Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous donne le tawfiq, à moi-même en premier, et à nous tous de comprendre ce qui a été dit, de mettre en pratique à travers notre comportement dans ce mois de Ramadan, mais aussi après le mois de Ramadan, et de transmettre ce qui a été dit. Amin ya rabbal alamin. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جزاكم الله pour votre attention.